Des scènes incroyables à Strikeland. Les Super Strikers font honneur à leur célébrité. Et Adelsing Rasta de justifier de son rôle de capitaine. El Matador et Twisting Tiger sont complètement démarqués. Tiens, en parlant de Twisting Tiger. Je plaisante. Droit sur le capitaine Dancing Rasta. Waouh, Dancing Rasta est une agilité incroyable. C'est la classe, mec. Il y va tout droit. But ! Incroyable, avec un tel capitaine, personne ne peut arrêter les Super Strikers. Super Strikers. Super match, les gars. Tu as marqué un sacré but, Chex. Merci, coach. Rasta, superbe passe pour un super capitaine. Reposez-vous bien. Trouvez votre inspiration dans la vie elle-même. Un vrai champion relève tous les défis, sur le terrain et en dehors. Vous n'allez quand même pas faire quelque chose de dangereux. Amusez-vous bien. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Des brassards, man. Faut juste les gonfler. Toi et Block, vous allez à la plage, non? Si. Eh ben, avec vos grosses... Et épaisses. Crinières. Faites gaffe à pas vous noyer, les gars. Ah ouais. Viens, El Matador, allons jouer. Shakes, on est en vacances. Détends-toi un peu, mon gars. Tu devrais t'en mettre un peu avant de ressembler à une écrevisse. Quoi? D'accord. Je vais t'aider, ok. Quel comportement qui soulève des questions sur le manager du Nakama FC. En tout cas, le prochain match des Strikers devrait être intéressant. Comme vous dites, Mac. Ce sera un vrai test pour eux. J'espère que Dancing Rasta prépare son équipe pour ce défi. Je ne pense pas que ce sera un problème pour eux. Et pourquoi ça? Je pense que Rasta est toujours prêt. Il est probablement déjà en train d'entraîner son équipe. En tout cas, il va vite devoir s'y mettre, car il y a 10 minutes, les Cosmos ont tenu une conférence de presse. Sacrée nouvelle, Mac. Absolument, Roby. Gros changement en perspective. Les Cosmos viennent d'annoncer que Ninja va rejoindre leur équipe. Retrouvons Ben Z pour plus d'infos. Ben? Bonjour, messieurs. Ninja va bien rejoindre l'équipe des Cosmos. Une équipe dont il va falloir se méfier. Nous avons rencontré Ninja tout à l'heure et voici ce qu'il a dit. Les Super Strikers n'ont aucune chance. Vraiment? Aucun doute. Nous allons écraser les Strikers et les renvoyer chez les Juniors. Ouais, chez les Juniors. Vous ne pensez pas que cette déclaration va renforcer la motivation des Strikers? Je me fiche de ce que les Strikers pensent. Ils ne nous arrivent pas à la cheville. Eh bien, en fait, ils... Les Strikers sont morts et enterrés. Cette interview est terminée. Ouais, terminée. Eh bien, voilà, vous savez tout. Et maintenant, à vous le studio. Vous vouliez me voir, boss? Je veux vous parler de quelques changements dans l'effectif. Du genre? Premièrement, je pense au brassard de capitaine. Rasta? Qu'est-ce qui se passe? Fermez la porte. Aussi facile que tirer un pénalty. Oh, oh,
Oh, je m'en sors bien. Pour être aussi bon, les gars. Spenza et moi avons grandi ensemble, un ballon au pied. De la rue jusqu'à ce terrain de foot. Hé, hey, ça fait quoi de jouer avec Dancing Rasta? Oh, ce gars est une machine. Avec Rasta à la tête des Strikers, nous sommes imbattables. Tu as dormi une journée entière. Tu as eu beaucoup de chance. Il est clair que ton travail sur cette terre n'est pas terminé. Je vous dois la vie. Notre seule récompense est de te voir guérir et affronter les défis que le destin place sur ta route. Tu es un meneur d'hommes, je le sens. Tu dois te reposer et laisser le temps faire son œuvre. Merci pour votre hospitalité. Mais je dois retourner à Strikaland pour le prochain match. Patience, mon fils. Allons marcher. Un peu d'air frais et d'exercice te feront du bien. Et tout se cassera la figure. C'est pour ça qu'en tant que capitaine, je dois rentrer immédiatement. Tu dois apprendre à diriger, non seulement avec ton corps, mais aussi avec ton esprit. Hey man, qu'est-ce qui lui arrive à ce perroquet? Pourquoi il mange pas? Tu es aussi têtu que cet oiseau. Tu es trop impulsif, trop agressif. Apprends la patience. Et au lieu d'aller vers le perroquet, c'est le perroquet qui viendra à toi. Tu vois, avec un peu de patience, tu peux tout accomplir. Je comprends. Et je vous remercie pour votre sagesse et votre hospitalité. Les Super Strikers n'ont aucune chance. Hein? Vraiment? Aucun doute. Nous allons écraser les Strikers et les renvoyer chez les Juniors. Ouais, chez les Juniors. Vous ne pensez pas que cette déclaration va renforcer la motivation des Strikers? Je crois toujours que c'est une erreur de mettre Big Bo capitaine. Les autres équipes de la Ligue se livrent à de gros changements et nous devons rester au contact. Je ne suis pas d'accord. On ne change pas une équipe qui gagne. Bo est plus intimidant, physiquement parlant. Commander, c'est dans la tête autant que dans le corps. Rasta a les qualités physiques et le sens tactique nécessaires pour emmener l'équipe. Peut-être, mais c'est la bonne décision. Et c'est surtout ma décision. S'il s'en sort mal au Cosmos, alors il devra passer son brassard à Big Bo. Très bien. Si nous gardons le ballon en l'air, nous avons l'avantage. Il ne restera pas collé dans la boue. Hein? Pourquoi, Ninja? Parce qu'il ne restera pas collé dans la boue. Ça devrait le faire.
Content de te revoir, Captain. Les Cosmos ont intérêt à s'être préparés pour affronter les Super Strikers. C'est jour de match à Strikerland. Le stade est plein, Mac. Oui, tout peut basculer aujourd'hui. Surtout vu l'état du terrain. En effet, cela fait deux jours qu'il pleut, ce qui pourrait donner l'avantage aux Cosmos et à leur style kung-fu. Oh que oui, mais contre les Super Strikers, Ninja pourrait se changer en nain de jardin. Est-ce qu'il y a des blessés chez les Strikers? Absolument aucun. Ils sont tous sur la feuille de match. Mieux vaut en être certain. Bolo? Je m'en occupe. Rasta, mon pote, tu passes à mon club ce soir après le match pour célébrer la victoire? Tout doux, man. Chaque chose en son temps. Man, faut que tu viennes! Victoire et bonne musique, quoi de mieux? La concentration. D'abord on gagne, ensuite on fait la fête. Plus concentré que moi, ça existe pas. On est plus rapide, on est mieux entraîné et plus photogénique. Je suis prêt à en découdre. Bon, moi, il faut que je file. Rasta, tu sens bien? Bien sûr. Maintenant, on y va et on gagne ce match. Bien dit, Captain. Je te croyais déjà en place. J'allais oublier mon brassard. Montre-leur pourquoi c'est toi qui le portes. Ninja? Quelqu'un s'est fait mal au genou. Et leurs chaussettes sont vraiment douces. Allez, Rasta, tu peux le faire. Le match va commencer. El Matador espérait que tu te casserais la figure sur ta montagne et que c'est lui qu'on interviewerait. Très drôle. Tu veux faire le comédien maintenant? Retourne à ton disco, Cool Joe. Ça suffit. Ninja va nous en faire voir. Et crois-moi, man, il a plus d'un tour dans son sac. Nous aussi, on connaît quelques coups tordus. On est chez nous. Personne ne nous bat à la maison. Pas vrai, Block? Mais... Restez concentrés. Tenez-vous prêts. Tu mènes la danse. Nous, on te suit. Super Strikers, à trois. 1, 2, 3, Super Strikers! Trouvez le genou blessé. Exploitons leur faiblesse. Quand tu trouves l'ouverture, joue sur ta vitesse et cherche-moi. Je serai démarqué. Voyons ce qu'ils valent quand le ballon ne touche pas le sol. Ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Et les Cosmos se promènent littéralement sur le terrain en se jouant des flaques. On dirait qu'ils marchent sur l'eau, tandis que les Strikers semblent complètement perdus. Oh, dommage! Les Cosmos dominent en possession de balle grâce à leur tactique de pression sur le porteur du ballon. Eh bien, j'espère que les Strikers n'ont pas trop déjeuné aujourd'hui parce qu'au temps dont les choses, ils risquent d'avaler pas mal de boue. Je ne crois pas encore avoir vu un Striker toucher le ballon. Oh! Ça en devient presque embarrassant, Mac! Mac? L'heure tourne et les Super Strikers n'arrivent pas à se défaire des Cosmos. Un nouveau danger pour les Super Strikers. Maintenant, ça suffit. Shakes intercepte et Big Bo s'empare du ballon.
Serait-ce là la chance des hommes en rouge? Tenzing Rasta va remettre les pendules à l'heure à l'ami. Oh, il semble boiter, Mac. Je te tiens. Je dois être fort. L'équipe a besoin de moi. Quelle défense de ninja! On voit pas bien ce que Rasta a essayé de faire là. Je vous laisserai pas faire, les Cosmos. Je vous laisserai pas faire. Joli dribble de la part du capitaine des Strikers. Ils passent enfin à l'attaque emmenée par leur capitaine. Shakes, à toi! Je te la renvoie, capitaine. On peut gagner. Voilà un tacle par l'arrière bien dangereux. Le capitaine des Strikers est à terre. Et on dirait que Ninja va recevoir plus qu'un avertissement pour ce vilain geste. Non! Pas maintenant! Le capitaine est à terre et il reste au sol. Apprends la patience, et au lieu d'aller vers le perroquet, c'est le perroquet qui viendra à toi. C'est ça. Big Bo! Je vais sortir. Il ne reste plus assez de temps. Serre les dents, Rasta. Tu peux le faire. Physiquement, je suis au bout du rouleau aujourd'hui. Tu dois continuer le match, on a besoin de toi. Et je suis là. Voici mon plan. La patience, c'est la clé pour gagner ce match. Ne me remplacez surtout pas. S'ils pensent qu'on est en sous-nombre, ils auront alors trop confiance. Attirez-les vers vous. Ils feront certainement des erreurs. Mais Rasta... Laissez-les venir à vous. Dancing Rasta ne danse plus. Et ils ne le remplacent pas? Ils sont fous? Rasta, on fera ça pour toi, Captain. Le brassard de capitaine est maintenant au bras de Big Bo. Il leur manque un joueur, les gars. Il doit y avoir d'autres blessés. Mais qu'a-t-il donc en tête? Est-ce qu'on peut gagner sans Dancing Rasta? Bien sûr que oui. Tiger va intercepter cette passe. Elle est à moi. Mais elle a ricoché sur une flaque d'eau. Allez, les gars, la tactique du scorpion, maintenant! Avancez! Attention, les Super Strikers, les ennuis arrivent. Le gardien est au sol! Regardez ça! Non. Oh oh, il ne l'appelle pas le bloc par hasard! Allons-y! Shakes, bien débarqué, fait un appel de balle! Il arme sa frappe et il tire! Non! Il passe en retrait au matador! Qui tire et qui marque? Non! Non, attendez! Le ballon est planté dans la boue! Qui va l'avoir? Shakes va-t-il venger son capitaine blessé? But! Quelle bagarre! C'est incroyable! Espérons que les Strikers récupéreront Rasta au prochain match. C'était fantastique, mec! Wouhou! T'as vu la tête de Ninja? Hombre! Où t'as dégoté cette tactique? C'était risqué, mais man, ils ont rien compris! Tout ça, c'était son idée. À lui seul. Beau boulot. Maintenant, on va faire soigner ce genou, Captain. Vous avez eu de la chance, les Strikers. Mais malheureusement, la chance ne dure pas. Nous verrons qui gagnera la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois. Honneur et confiance.
Il y a quelqu'un qui a déshonoré les Nakamas. C'est vrai? Non. Et la première phase de la revanche aura lieu à Strikaland. Ça va être cool de jouer contre ton ancienne équipe, pas vrai, Tiger? Oui, les Nakamas sont bons, mais d'abord, il faut battre Colossus ce soir. Tu en connais un rayon, son Nakama, Tiger? Oui, j'ai hâte de revoir Miko-chan. C'est l'un de mes meilleurs amis. Haha, mais tu peux nous livrer quelques secrets, son Nakama, non? Les Super Strikers gagneront en étant les meilleurs sur le terrain. Haha, ça c'est sûr! Hey, maintenant, va me coiffer ses cheveux! C'est l'heure, faut y aller. 1, 2, 3, Super Strikers! Super Strikers! Jour de match à Strikaland. Colossus vient pour chercher la victoire. Mais il va falloir batailler ferme pour battre les Super Strikers chez eux. Dancing Rasta le ballon. Il cherche un partenaire des yeux. Putting Tiger. C'est toujours une bonne option. Voyons si tu peux arrêter ça. Oh, je n'ai jamais vu Twisting Tiger se faire museler de la sorte. Allez, Tiger, montre ce que tu sais faire. Twisting Tiger semble perdu aujourd'hui. Colossus le prive littéralement de ballon. Incroyable! Belle action des hommes en rouge. Twisting Tiger peut apporter la victoire aux Super Strikers. Il est plein de surprises. Quel dribble de Twisting Tiger! Malgré tout, il semble un peu emprunté. Serait-ce la pression de bientôt jouer contre ses anciens coéquipiers? Il reste un match avant ça. Il doit parvenir à s'adapter à cette défense. Il reste peu de temps. Mettez-moi ce ballon au fond des filets! Rasta lance Twisting Tiger. Est-ce qu'il lui reste des atouts que cette défense ne connaît pas encore? Adapte-toi, Tiger. Fais quelque chose qu'il n'attend pas. Twisting Tiger, il traverse toute la défense. Attention, Shex s'empare de la balle. Et... boum! Bon but de Shex au coup de sifflet. Victoire des Strikers. Hey, Twisting Tiger, t'inquiète pas pour ça. C'est comme si Colossus connaissait mon jeu par cœur. Allons, comment ce serait possible? Hey, quand tu verras Uragiri, remercie-le pour cette vidéo de toi à l'entraînement. Quoi? C'est pas ça qui nous a aidés à gagner. C'est comme ça que les joueurs de Colossus t'ont piégé. À cause de ce DVD. Je n'ai pas fait de DVD d'entraînement. Quoi? Uragiri. Hein? À tes souhaits? Non. Uragiri. Mon ancien coach. Il n'y a que lui pour faire un truc pareil. Mais... pourquoi? Pour lui, c'est la honte quand un joueur quitte Nakama. C'est sa revanche. Bon, qu'est-ce que ça change pour notre match contre eux? Je sais pas. Mais c'est pas bon. Bon, si tu veux travailler de nouvelles phases de jeu, je suis ton homme, man. Ah, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai rejoint les Super Strikers. Strikers aujourd'hui contre Colossus. Hormis sa dernière passe, Twisting Tiger a été complètement transparent. Phase 1 terminée. Démarrons la phase 2. Honneur et confiance! Honneur et confiance! Nous avons été trahis par l'un des nôtres. Hi-ya!
Désolé, Miko, mais mes sources me disent que notre ami Twisting Tiger a parlé au Super Strikers de ta blessure. Twisting Tiger ne me trahirait jamais. Il nous a tous trahis. Mais, maître, il est comme un frère pour moi. Oui, mais jusqu'où un homme peut-il aller pour gagner? D'un DVD de toi. Tu peux nous livrer les secrets de Nakama, non? Non. Les joueurs de Nakama sont des gars bien. Je ne vais pas les trahir à cause du DVD d'Uragiri. Nakama arrive ce soir. Demain, nous irons à leur conférence de presse. Et dans l'après-midi, on joue. Shakes. Ouais? Tu peux rester un peu? Absolument. Si tu penses que Colossus me met la pression... Nakama connaît chacun de tes faits et gestes. J'ai vu un programme sur la chaîne Nature, à propos des habitudes de chasse du tigre. Ça pourrait marcher. Le tigre tourne autour de sa proie, la coince, et puis... il l'attaque. Voilà, je suis vraiment un tigre. Waouh ! Merci de ton aide. Tiger ? Ouais. Comment tu as reçu ce surnom? Quand je suis arrivé à Nakama, on a joué contre Colossus. Je redescends pour empêcher un centre adverse. Mon coéquipier et moi, nous tombons, blessés tous les deux. Lui au pied, moi au bras. On est devenus comme des frères. Les matchs d'après, j'avais le bras en écharpe. Je feintais pour épargner mon bras. Les défenseurs devenaient fous. Et bientôt, j'étais célèbre. Surtout, ne dis jamais à personne pourquoi je porte ces trucs au poignet, d'accord? Bien sûr. Et ton coéquipier, comment il va? Oh, il va bien. Tant mieux. C'est qui? On travaille un peu, d'accord? Mesdames et messieurs, je vous présente l'équipe la plus disciplinée et talentueuse de la Super League, Nakama FC. Pas de soucis. Ok, si tu le dis, man. Nous avons hâte d'être à demain. Que la meilleure équipe gagne. C'est bon de te voir, mon ami. Même si nous sommes adversaires, j'ai hâte d'être sur le terrain à tes côtés. Miko. Je ne comprends pas. Mon équipe ne parle pas au traître Twisting Tiger. Traître? De quoi parlez-vous? Tu as livré aux Super Strikers tous les secrets de Nakama. C'est impardonnable. Je suis sûr que Twisting Tiger ne ferait jamais ça. Je le sais et tu le sais, mais pas les gars de Nakama. Et maintenant, ils veulent se venger. Mec, c'est pas bon. Je dois trouver ce DVD et prouver que Twisting Tiger est cool et que Uragiri débloque, pas vrai? Spenza Investigation à votre service. Et par où est-ce que je commence? À mon avis, par les endroits fréquentés par Colossus. Jour de match à Strikerland, pour une sacrée bagarre entre ces deux poids lourds de la Super League. Tout à l'heure, à la conférence de presse, la tension était palpable. Je pense que c'était juste un peu d'intox, rien de sérieux. Je n'en suis pas sûr, Mac. Les anciens coéquipiers semblaient s'éviter. Tu comptes te faire construire une maison à Strikerland?
Voici l'instant amical du match, où les joueurs de Nakama s'inclinent traditionnellement devant leurs adversaires. Si vous le dites, Mac. Oula, Mac, je crois qu'on peut dire... qu'il y a un peu de tension. Twisting Tiger va avoir quelques soucis avec ses anciens coéquipiers. Quoi ? Nakama tente de mettre la pression sur les milieux de terrain des Super Strikers. En dépit de la tension entre les deux équipes, Nakama joue l'apaisement. Miko Chen a de l'espace. Miko Chen file si vite à travers la défense. Ah, c'est risqué ce que fait Big Bo. Il dévie du bout des doigts. Le ballon s'élève et passe au-dessus de la cage. Et le score reste à 0-0 pour le moment. Où allaient les joueurs de Colossus quand ils étaient ici? Où? Hé! Hey! Il fallait bien qu'ils mangent! Big Bo ne perd pas de temps à dégager le ballon. Nurse Joe prend son temps pendant que ses joueurs se placent. Twisting Tiger est démarqué. Il est face à ses anciens coéquipiers. Oh! C'est passé près. Les Super Strikers remontent le terrain avec le ballon. Quelle parade! Les Super Strikers avaient là une chance de mener au score. Même s'ils ont été stoppés, le coach de Nakama n'a pas l'air content. Je dois trouver ce DVD avant que Nakama ne fasse craquer Tiger. Et voilà! Les criminels retournent toujours sur les lieux du crime. Strike à Land! Ah, je dois y aller. Et vite! Ok. Bon, là, faut vraiment que j'y aille. Nakama joue à présent comme s'ils avaient un temps de retard sur Tiger. Et Twisting Tiger étale ses qualités de dribbleur devant ses anciens coéquipiers. Arrêtez-le! Et Twisting Tiger est pris en tenaille par deux défenseurs. Et l'attaquant des Super Strikers est encore une fois neutralisé. Il a l'air secoué, Mac. Je ne suis pas sûr... que la collision ait été accidentelle. Pourquoi vous méprisez Twisting Tiger? C'est votre ami, non? Un véritable ami ne livrerait pas les secrets du Nakama aux Super Strikers. Ni honneur, ni confiance. Quoi? Vous vous trompez! Je crois que Nakama change de tactique. Ils sont vraiment sur le dos de Twisting Tiger aujourd'hui. Je suis d'accord, Mac. Mais Coach Chen a le ballon, il arme. Il frappe. But! Quel match! Nakama marque le premier. Kujo sur le côté pour Shex. Ouh! Nakama verrouille le milieu de terrain. Il verrouille tout, oui. Nakama de nouveau à l'attaque. Mené 1-0, les Super Strikers vont se faire sermonner à la mi-temps, pas vrai? Si Twisting Tiger ne rehausse pas son niveau, il va devoir sortir. Ils sont en train de le pulvériser. Miko! Quoi? Nakama ne joue pas avec honneur. Je ne reconnais pas mon ancienne équipe. Tu te sens de continuer? Cet Uragiri, il a monté la tête à ses joueurs. Il est fou! Ils sont tous fous! Je vais bien, coach. Il s'acharne sur toi. Si tu ne fais pas attention, on pourrait te perdre pour le prochain match. C'est mon problème. Je veux gagner, coach. Oh!
sacrifice que je fais pour... Quoi? Ah ah! Cher Colossus, voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur Twisting Tiger. Bien à vous, Ouragiri! Chex! El Matador! Spenza! El Matador! C'est l'heure! Toi, viens avec moi! Hein? Bon, voilà une affaire de régler. Hein? Crois-moi. Écoute-moi bien, voilà ce qu'on va faire. Jouez avec votre cœur, nous pouvons gagner! Super Strikers! Nakama se découvre un peu au milieu de terrain. On dirait bien, cela ressemble un peu au Nakama d'avant. Je crois que Miko Chen se fait du souci pour son vieil ami. Est-ce que ça va, mon frère? Oui, ça va. Mais pourquoi changer d'avis? Mon cœur a parlé. El Matador nous a aidés, Nakama et moi. Il nous a aidés à comprendre. El Matador? À comprendre quoi? Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais on dirait que ce match va se jouer ballon au pied, pas à coup de crampon. Wow, super Big Bow! Quelle incroyable phase de jeu de Miko Chen! Le bon jeu fait son retour en grâce, Max! Et il ne reste que 30 secondes à jouer! Et si Tiger parvenait à surprendre ses anciens coéquipiers... Tiger! Mais qu'est-ce que... Twisting Tiger ne... Eh bien, il n'esquive plus! Sakuraba se retrouve... Entre les griffes... du tigre! But incroyable! Les Super Strikers égalisent! Il reste une poignée de secondes. Wow, quelle fin de match! Quel match tout court! L'histoire retiendra le match nul, mais les deux équipes ont gagné. Désolé d'avoir douté de toi. À présent, nous savons que tu respectes la tradition Nakama. Jouer avec les Super Strikers n'a jamais déshonoré le passé. C'était un nouveau départ. Ah, j'ai sauvé la mise, non? Miko Chen, écarte-toi vite de ce sale traître! Il n'a ni honneur, ni confiance! Honneur et confiance? Ne parlez pas d'honneur et de confiance! Dites-moi, vous allez faire un DVD sur moi aussi, au cas où je quitte Nakama? Oh! Oh, ça! Oh! C'était juste une blague! Entre un coach et son ancien joueur! J'essayais de le forcer à inventer de nouveaux coups! Oui, c'est ça! Oui, c'est ça! De nouveaux coups! Hé! Hey, c'est quoi ça? Il est loco! Twisting Tiger, pourquoi ne reviens-tu pas à la maison, à Nakama? C'est ici, ma maison. Ok, les Super Strikers, ça suffit pour aujourd'hui. Venez tous par ici. Nous allons affronter notre vieux rival,
Invincible United. Croyez-moi, Vince et Scara ne reculeront devant rien pour connaître nos plans. C'est pourquoi notre préparation s'effectuera ici, dans le centre d'entraînement secret. Et pour l'occasion, la sécurité sera renforcée. Wow. Super Strikers! Capitaine, premier servi. Merci, coach. À quoi ça sert? Il a gagné quelque chose? C'est la nouvelle carte d'entrée au centre d'entraînement secret. Vous en aurez besoin à chaque fois que vous voudrez entrer. Pas d'exception, ok? Merci, coach. Vous ne devez vous séparer de cette carte sous aucun prétexte. Si vous la perdez, eh bien, je préfère ne pas imaginer ce qui vous arrivera, ok? Merci, coach. Vous êtes responsable de cette carte. Je l'emporterai partout avec moi. J'ai ein Honor. Je vais le garder. Mais où est-il? Ah non, je l'ai mis où? Je ne t'en ai pas encore donné une. Oh, c'est vrai. Hein? Oh! Ah! Jour de match à Strike Alone. Et de test pour Ninja et les Cosmos. Tout à fait, Mac. Les Super Strikers sont en super forme. Hey! Scara? De l'Invincible United? C'est moi, Kat. Tu te souviens? Je suis une de tes fans. Oui, Kat. Ça fait un bail. Oui! Je peux avoir ton autographe? Bien sûr. Je ne fais plus de bêtises maintenant, tu sais. Plus de cambriolage. Cambriolage? C'est dommage, tu étais très doué. Tiens, voici mon numéro. Appelle-moi un de ces jours. Oui, je ferai ça, merci. Je dois y aller. À plus. Je voudrais pas être à ta place. Les Super Strikers sont très bien positionnés aujourd'hui. Ils ont toutes leurs chances de gagner s'ils continuent comme ça. Tiger! Bolo s'est montré assez passif sur ce coup-là. Ah, je crois que la course de Twisting Tiger se termine ici. Assez vite, vous avez vu ça? Quel contrôle au milieu de terrain! Il donne le tournis à Ninja. Twisting Tiger passe la balle à Cool Joe. C'est du 2 contre 1. Passe à Shakes. Quel but de Shakes pour prendre l'avantage sur les Cosmos. 1-0. On dirait que l'entraînement secret des Super Strikers se ressent sur le terrain. C'est le dernier match des Super Strikers avant qu'on les joue. J'espère que vous prenez des notes. On dirait un skieur qui slalome. C'est bouché de partout. Coup du sombrero de Dancing Rasta. Les Super Strikers semblent surprendre les Cosmos à chaque action. Bolo devrait s'acheter du pop-corn et s'asseoir à l'ombre. Il a Cool Joe démarqué à l'entrée de la surface. Quelle boulette canon, le gardien n'a rien vu venir. On dirait que les Cosmos sont un peu dans la lune aujourd'hui. Ils démolissent les Cosmos? Comment c'est possible? La réponse se trouve dans leur centre secret. Ils ont pris d'infinies précautions pour nous garder à l'écart. Il doit y avoir une raison à cela. Exactement. Notre plan est simple. Pénétrer dans cet endroit. Donc la question est, comment on y rentre? Il nous faut une de ces cartes. T'as pas une idée? Non. C'est...
Les Super Strikers et l'Invincible United sont tous deux à l'isolement. C'est le bout du chemin, avec pour l'une des équipes la victoire et pour l'autre la tristesse. Entre ces deux équipes, ce sera une lutte à mort. C'est bien simple. En ce moment, il semble plus facile de décrocher la lune que de battre les Super Strikers. Mais si une équipe peut le faire, ce doit être l'Invincible United. Tu vas voir, je suis sûr que ça va marcher, t'inquiète pas. Ce soir, repos. Rendez-vous au centre secret demain matin. Ne soyez pas en retard. Il faut que je rentre tôt, je dois me reposer. On va devoir travailler dur demain à l'entraînement. Allô ? C'est Scara. Scara ? Il est temps pour toi de ressortir ton costume de cambrioleuse. Je suis pas intéressée. Écoute, tu vas rencontrer plein de joueurs de Super League. Pas des joueurs de seconde zone. Mais des joueurs de Super League. Mais si ça ne t'intéresse pas... D'accord. Pourquoi pas ? Je connais de pires façons de passer la soirée. J'avais mon invitation VIP en partant de chez moi. Hé, hey, bonsoir. Comment va la plus jolie femme de la soirée? Pas très bien. Je crois que j'ai perdu mon pass VIP. Eh bien, on dirait que c'est ton jour de chance, dis donc. Alors? Vous êtes bien Super Strikeuse. Eh ouais, en chair et en os. Waouh. Shaq sera là aussi? Le coach l'a cédé à une autre équipe. C'est vrai? Non, il est là-bas. Je le tiens. Tu veux danser? J'aimerais, mais je sais pas danser. Oh, allez, viens. Shakes, je reviens tout de suite. Ne t'éloigne pas. Trop facile. Super. À nous le centre d'entraînement secret. Ne te fais pas prendre. Et n'oublie pas ton oreillette. Et ne... N'oublie pas ton oreillette. Je sais pas pourquoi je fais encore ça. Pour lui? Je me rappelle maintenant pourquoi je l'aime pas. On change de plan. Maintenant, sors de là. Amusez-vous bien. J'en ronronne de plaisir. Qu'est-ce que c'est? Vous émettez en direct sur Strikers TV, mais vos rivaux ne voient pas ce que vous voulez qu'ils voient. Intéressant. Hola, mis amigos. Il y a de l'amour dans l'air. Plus maintenant.
El Matador, attends. J'ai perdu ma carte. Aïe, 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 aïe. Ok, les gars, restez groupés. Super tir, Shakes. Olé, Invincible United. Préparez-vous à la surprise de votre vie. Donne-moi ça. Trop facile. Comment tu as dit que tu l'avais perdu déjà? En fait, je l'ai peut-être juste laissé chez moi. Tu ferais mieux de la trouver avant que le coach sache que tu l'as perdu. Shakes! Peut-être que c'est mieux que je fasse comme si je ne te le connaissais pas. Hein. Viens avec moi. Que faisais-tu ici hier soir à minuit? À minuit? J'étais dans mon lit. Je dormais. Alors, qui a ta carte d'accès? C'est ce que je pensais. L'Invincible United nous espionne. Si tu vois une solution, Shex, je serai dans mon bureau. Vous émettez en direct sur Strikers TV, mais vos rivaux ne voient pas ce que vous voulez qu'ils voient. Coach! C'est très bon. Il y en avait combien? J'ai compté... 1, 2, 3. 12 signaux différents vers Shakes. Pendant le match, on va le priver de ballon, quoi qu'ils essaient de faire. Jour de match à Strikerland et grosse bagarre entre ces deux monstres de la Super League. Un rien pourrait faire pencher la balance en faveur de l'une ou l'autre de ces deux équipes. Regardez un peu ce que notre Kat a rapporté. Il me semble qu'elle essaie de se fondre dans la masse, on dirait. Kat s'est peut-être servie dans la boutique des supporters quand elle était dans le centre secret. Indépendamment de ce qu'ils savent, on reste concentré et on joue physique. Ça va marcher, les gars. Vaudrait mieux que ça marche. À trois. 1, 2, 3, Super Strikers! Les Strikers ont le contrôle du ballon. Dancing Rasta commence à remonter le terrain. Il est surprenant de voir les Invincibles jouer autant défense aujourd'hui. Marquage strict sur lui et préparez-vous pour son crochet à gauche. Rasta pour Shakes. Excellente anticipation de la défense. Ouh, le strike a mort la poussière. Comme prévu. Où que Shake se retourne, il est cerné. Comme si l'Invincible United lisait dans ses pensées. J'espère que les Cosmos prennent des notes. Ouais, on dirait que United connaît chaque truc des Strikers. Shake va avoir de la compagnie. Deux joueurs, c'est de la compagnie. Là, on parle de foule. Oh, Shakes n'avait aucune chance avec cette foule.
Les Super Strikers tendent un piège à l'United ou ils sont vraiment mauvais? Invincible, United presse fort sur le flanc gauche. Quel sauvetage de Big Bo! On passe pas. Et c'est la mi-temps! À ce stade-là du match, on peut dire que si l'invincible United avait moins joué en défense, ils auraient été bien plus créatifs. Nous vous retrouvons dans quelques minutes après ces quelques messages. Oh, faut que j'aille aux toilettes, moi. Allez, dégagez le passage! Ça ne sert absolument à rien de connaître leur stratégie si on ne marque pas. Vous gaspillez toutes les occasions, là! Il faut que je remplace toute l'équipe, ou quoi? Super Strikers! Notre plan a l'air de marcher. Mais il faut montrer maintenant à United qu'ils ont regardé la mauvaise chaîne. Tu es prêt, fiston? Shakes se dépense sans compter aujourd'hui. Et on dirait que Dancing Rasta vient d'inventer une nouvelle danse. Le message du capitaine des Super Strikers est clair. Il nous fait le coup du joueur de flûte et passe à Twisting Tiger. C'était quoi ça? Marquez-le! Non, lui! Adios! Au revoir, Shakes. Bonjour, El Matador. El Matador est complètement seul. Oh là là, quel but! Qu'est-ce que vous faites? Il l'utilise comme un leurre! Couvrez-le! Non! Non, lui! Joue-t-il en 4-4-2 ou en 4-3-3? La défense, vous me recevez? Dancing Rasta arme son tir! Et c'est dedans! Et but! 2-0 pour les Strikers! Mais quelle action! Quelle action! Shakes est en pointe! Dancing Rasta à l'attaque. Il passe à Twisting Tiger. Non! 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 C'est en train de mal tourner. En position et fin prêt, Captain. Non, faut pas y aller. Il vous détourne des autres. Marquez-les. Je crois que United a un peu oublié Shakes. United est à la merci des Super Strikers. Magnifique. Quel but. Quel but, mes amis. Vous avez bien joué, les... On aurait dû vous dominer aujourd'hui. On connaissait vos tactiques, on connaissait vos codes. Oui, c'est vrai. Le grattement du crâne, celui du menton, de l'épaule. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par « oui, c'est vrai » Tu veux dire que tu ne savais pas que nous savions que vous saviez? Mais... comment? On a trouvé votre caméra cachée. Alors, on vous a juste donné ce que vous attendiez. Nous avons intercepté le signal et nous l'avons modifié pour diffuser nos anciens codes, tout en travaillant sur de nouveaux. On vous a bien eu. Et comment avez-vous su pour la caméra? Je crois que vous avez sous-estimé notre sécurité. Quand on triche pour gagner, on perd. Coach, je promets de ne plus perdre ma carte. Je suis sûr que tu as raison. Hein?